mon père une maison de marché, donc ou de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le releveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ce qui était dans l'homme. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Frères et sœurs, cette histoire que nous venons de lire et se répète de nos jours, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos bâtiments d'église, dans nos maisons d'église. Et je ne dis pas que toutes les églises sont concernées par cette histoire, mais je veux dire la majorité des églises, la majorité des ministères, des pasteurs, des prédicateurs, mes amis, sont touchés par l'esprit de commerce, le marketing. Le Seigneur ici dit littéralement, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marketing, le marché. Et tout au long de la parole, de l'exhortation ou de l'enseignement ce soir, vous aurez l'occasion, l'opportunité, si vous le voulez, d'appeler au 01 64 98 90 45 pour éventuellement nous poser vos questions. Frères, sœurs, vous qui êtes enfants, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui aimez le Seigneur, la parole, je vous invite vraiment à prendre vos Bibles et à participer avec nous à cette parole que Dieu nous donne. Le Seigneur avait l'habitude d'aller à Jérusalem lors des 3 fêtes de pèlerinage, la fête de Pâques et Prémices, la fête de la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Les 3 fêtes de pèlerinage selon les Écritures. Et tous les Juifs, n'est-ce pas, du monde entier, pendant ces fêtes, avaient l'habitude de rentrer au pays, d'aller à Jérusalem, afin de célébrer le nom de Dieu. Et le Seigneur, effectivement, en tant que Yeshua, en tant qu'homme et un bon Juif, il va également, n'est-ce pas, se plier à cette loi qui exigeait, bien sûr, aux Hébreux d'aller à Jérusalem pendant ces 3 fêtes pour célébrer Dieu. Et Yeshua, homme, va se rendre également à Jérusalem et nous dit la parole. Et quand il arrive, n'est-ce pas, avec ses disciples à Jérusalem, quand il arrive à Jérusalem, il va entrer, n'est-ce pas, dans le temple. Et qu'est-ce qu'il va y trouver? Des gens qui adorent Dieu, qui adoraient le Seigneur? Non. Des gens qui chantaient les louanges du Seigneur? Non. Des gens qui enseignaient la parole de Dieu pour sauver les vies? Non. Il a trouvé un marché dans le temple. Il a trouvé un marché dans le temple. Et en fait, qui étaient ces vendeurs de pigeons? Qui étaient ces vendeurs de bœufs, mes amis? Et je pense que c'était certainement des. En tout cas, il y avait une collaboration avec les sacrificateurs parce que on ne pouvait pas accéder à ce lieu saint, bien sûr, sans prouver aux sacrificateurs, aux Lévites, n'est-ce pas, son appartenance à la nation israélite, à cette nation. Et on ne pouvait pas accéder à ce temple sans prouver sa, n'est-ce pas, judaïté.
Et donc, il y avait une espèce de complicité entre les sacrificateurs et les vendeurs des bœufs. Et je pense aussi que certains de ces vendeurs devaient être sacrificateurs. Parce que, frères et sœurs, pour pouvoir amener, déjà pour entrer dans le temple de Jérusalem, ce n'était pas une chose facile. On va prendre un passage pour vous montrer à quel point n'importe qui ne pouvait pas accéder au temple. Pour y accéder, il fallait vraiment prouver, n'est-ce pas, et qu'on était juif. Nous sommes dans Actes chapitre 20, 21. Nous lisons au verset 27. À la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant: Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées. Donc, vous vous rendez compte ici, frères et sœurs, et Paul, n'est-ce pas, va être au milieu, n'est-ce pas, il va être sujet à cette attaque, hein, le sujet de cette attaque, de la part de religieux. Et on apprend également que certains de ces religieux avait cru que Paul avait introduit Trophime d'Éphèse, c'est-à-dire un Grec qui n'était pas du tout circoncis. Et ils ont cru que Paul l'avait introduit dans le temple. Donc, de ce fait, le temple pour eux, était profané. Et on a bien dit que ce lieu était considéré comme saint. Donc, le simple fait d'introduire Trophime, selon eux, dans le temple, souillait ce lieu saint. À combien plus forte raison les animaux, n'est-ce pas, qui y étaient introduits. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ils ont introduit des animaux dans le temple et on a commencé à les vendre. Donc, vous vous rendez compte qu'un seul homme, Trophime, n'est-ce pas, hein, sa présence, il n'était même pas dans le temple. Hein, et ils ont cru qu'il était dans le temple et ça a créé tout un soulèvement dans toute la ville de Jérusalem. Et vous vous rendez compte, dans Jean chapitre 2 ici, n'est-ce pas? On apprend que dans ce même temple, il y avait des changeurs de monnaie, des vendeurs de bœufs et de pigeons, et personne ne s'était soulevé contre ce grand marché. Tout le monde pratiquement le trouvait normal. Tout le monde le trouvait normal. Tout le monde, mes amis, je suis convaincu que les pharisiens étaient complices. Parce que les sacrificateurs également. Parce qu'à l'époque, mes amis, les sacrificateurs étaient tous sadducéens. Les sadducéens étaient des aristocrates, donc des hommes assez riches. Et c'était eux qui étaient sacrificateurs, qui avaient la charge, hein, qui avaient la gestion du temple, donc les sadducéens. Et ils étaient forcément complices de ces vendeurs, de ces changeurs de monnaie, de ces vendeurs de bœufs et de pigeons. Pourquoi les bœufs et les pigeons? Parce que justement, c'était des animaux destinés au sacrifice. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils soient vendus dans le temple. Chacun devait amener son animal, n'est-ce pas, librement. Et là, ben, les sadducéens, les sacrificateurs qui étaient complices, hein, ont voulu, soi-disant, faciliter le travail aux gens qui allaient adorer Dieu dans le temple. En fait, c'était pour se faire de l'argent, tout simplement. Alors, effectivement, on amenait des animaux dans ce temple, mais ce n'était pas pour être vendus, c'était pour être sacrifiés. Et ils se sont servis certainement de la parole de Dieu qui demandait, de la loi de Moïse, qui exigeait que des animaux soient sacrifiés dans ce temple. Ils se sont servis de cette loi, ils l'ont détournée, n'est-ce pas, à leur profit, et ils l'ont utilisée pour s'enrichir. Pour s'enrichir. Donc, le temple de Dieu était devenu un marché, un lieu de vente, un endroit où l'on pouvait commercer, où l'on pouvait, n'est-ce pas,
et marchander, où l'on pouvait, mes amis, discuter sur les prix. C'était le bruit que l'on entendait dans ce temple n'était pas celui de l'adoration, celui des instruments de louange, mais c'était le bruit du marché. D'un marché. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, le temple de Dieu bâti par Salomon. Salomon, quand il a fini la construction de ce temple, quand il avait fini ce temple de le construire, il avait dit clairement au Seigneur dans 2 Chroniques 7 que si ton peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et cherche ta face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, exauce-le, n'est-ce pas, du ciel. Et Dieu avait exaucé Salomon. Et il avait dit clairement dans 2 Chroniques 7, 14, oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu avait répondu à la prière de Salomon. Et il avait même, mes amis, du ciel envoyé le feu pour consumer le sacrifice de Salomon. Dieu avait agréé cette prière. Dieu avait sanctifié ce temple. Et, mes amis, après Salomon, qu'est-ce qu'on y trouve ici? Eh bien, déjà dans Ézéchiel chapitre 8, on voit que le temple était souillé. Le temple était rempli, les murs du temple étaient, mes amis, il y avait des figures d'animaux sur le mur du temple. Vous voyez, des sacrificateurs adoraient, mes amis, le soleil. Des femmes juives dans le temple pleuraient Tammuz. Et ils avaient introduit l'idole de la jalousie dans le temple de Dieu. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 8. Vous voyez, on voit combien, on peut le lire, combien le temple était souillé. Ézéchiel chapitre 8. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de Yahweh tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'air impoli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de Yahweh. On apprend déjà, mes amis, ici, sous Ézéchiel, que ce même temple, frères et sœurs, le temple de Salomon, avait été souillé au point où les Hébreux avaient introduit l'idole de la jalousie qui excitait la colère de Dieu. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levais les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion, de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, parce que la muraille perce la muraille, je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison de l'Éternel, de la maison d'Israël, pardon, peinte sur la muraille tout autour. Donc on voit déjà que les murs du temple étaient complètement décorés. Ce n'était pas la gloire du Seigneur qui était, mes amis, qui était là, mais c'était carrément les figures d'animaux, les, n'est-ce pas? Et on nous dit au verset 11, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au nombre desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, Yahweh ne nous voit pas, Yahweh a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me dit, à l'entrée de la porte de la maison de Yahweh, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz. Et bien sûr, il est question de la divinité des Phéniciens.
et des Syriens, donc qui bien sûr correspond à Adonis de Grec, hein, à l'Adonis de Grec. Et il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres grandes abominations que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de Yahweh. Et voici, à l'entrée du temple de Yahweh, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de Yahweh et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Donc, nous voyons que ce même temple, frères et sœurs, de Jérusalem, à l'époque, mes amis, de la captivité babylonienne, ce temple était bel et bien souillé. Et bien avant, mes amis, Ézéchiel, bien avant Jérémie, on apprend dans 2 Rois, chapitre 21, que le roi Manassé, roi de Juda, avait introduit dans le temple de Jérusalem, mes amis, les idoles, hein, n'est-ce pas, les statues d'Astarté et de Baal. Et il avait établi dans le temple des prostituées, hommes et femmes, qui se prostituaient. Et voilà comment ce temple était souillé, frères et sœurs. Donc, le temple de Jérusalem a toujours été souillé. Et cette souillure, à l'époque, mes amis de Jérémie, a provoqué la colère de Yahweh au point où ce peuple fut emmené, n'est-ce pas, à Babylone comme captif pendant près de 70 ans. Et qu'est-ce qu'on apprend, frère? Après les 70 ans de captivité, ils vont revenir à Jérusalem sous Zorobabel, leur gouverneur, avec Esdras, Néhémie, tout ça. Ils vont rebâtir les murailles et le temple, ils vont le reconstruire. Et qu'est-ce qu'on apprend, mes amis? Eh bien, ce temple-là va être embelli pendant 46 ans sous le règne d'Hérode. Et malgré cette, mes amis, malgré la beauté de ce temple, mes amis, parce que sa façade, selon les historiens, était en or, et malgré la beauté de ce lieu, parce qu'il était immense, ce temple, le temple d'Hérode, on apprend que Dieu n'était plus dedans et c'était devenu un marché, une maison de trafic, une maison de commerce, un lieu où les gens pouvaient se faire de l'argent. Ce n'était plus un lieu de prière, un lieu où les gens pouvaient, n'est-ce pas, y aller pour rencontrer Dieu, mais un endroit où ils pouvaient, mes amis, s'enrichir et comme l'ange de l'église de Laodicée. Voilà, frères et sœurs, ce qui s'est passé à l'époque, mes amis, de la captivité babylonienne, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ, ce qui s'est passé à cette époque, hein, se répétait à l'époque de Yeshua au 1er siècle, et on le voit également malheureusement aujourd'hui dans nos assemblées. C'est-à-dire nos assemblées, des ministères d'aujourd'hui, des églises d'aujourd'hui, sont devenus effectivement des lieux de commerce où les gens peuvent se faire beaucoup d'argent. Mes amis, en vendant quoi? On va le voir. En vendant, bien sûr, des produits dérivés de la Bible, des produits, des enseignements, des coffrets d'enseignements, et des CD chrétiens, des enseignements de toutes sortes, et des ouvrages, des Bibles, tout ça. Donc, tout est bon pour se faire de l'argent, des vêtements. Vous me direz, mes frères, tu as déjà parlé de cela. Ben oui, frère, Paul disait, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Et aussi, on comprend que cet enseignement sur la gratuité de l'évangile dérange tellement que beaucoup, n'est-ce pas, des commerçants évangéliques font des enseignements pour tromper davantage les enfants de Dieu. Parce que ce message, bien sûr, dérange, ne plaît pas. Et nous voulons rester bibliques, frères et sœurs. Si vous êtes chrétien, si vous aimez le Seigneur, vous ne pouvez que aimer la parole de Dieu. Vous ne pouvez que, mes amis, obéir à ce que le Maître nous a recommandé, à ce que le Maître nous demande, nous commande. Et le Seigneur était, mes amis, et rempli de zèle, nous dit la parole ici. Il va trouver dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs de monnaie assis. Vous voyez, frères et sœurs, ils n'étaient pas debout, ils étaient assis. C'est comme si ils avaient établi leur trône dans le temple de Dieu.
Qui d'autre que Dieu cherche à s'asseoir dans le temple de Dieu? Eh bien, nous sommes dans Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On apprend que ces hommes étaient assis, frères et sœurs. Ils avaient pris place, ils avaient pris position. Ils régnaient dans le temple. 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venue de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, n'est-ce pas, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc nous comprenons pourquoi ces vendeurs de bœufs, de pigeons, ces changeurs de monnaie sont assis dans nos églises d'aujourd'hui, dans les maisons d'église, dans les temples qu'on appelle temples de Dieu, des bâtiments qui ont remplacé le véritable temple qui est le corps de Christ. Donc vous comprenez pourquoi, mes amis, ces hommes, ces vendeurs sont assis confortablement dans les assemblées, dans leur ministère. Les déloger, mes amis, devient pratiquement impossible. C'est terrible. Et Dieu a été délogé, Dieu a été chassé de ce temple. Et quand la parole nous dit ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que Satan va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu, eh bien, il faudrait comprendre que cette parole, mes amis, ne va pas. Il faut comprendre que cette parole s'accomplit de manière spirituelle, s'accomplit spirituellement. Satan, bien sûr, est un esprit qui se sert des hommes, n'est-ce pas, pour pouvoir asseoir sa domination. Donc, il a des émissaires, il a des ouvriers qu'il utilise et qu'il envoie dans nos assemblées pour asseoir leur doctrine, notamment mes amis, la vente, le marché. Donc, on reconnaît que Satan est assis dans une église par le marché aussi. Il y a le péché, bien sûr, mais aussi par le fait que cette église devient un marché, un endroit où l'on peut faire du commerce avec des boutiques, tout ce que vous voulez. Satan est dedans. C'est aussi simple que cela, frère, que les écailles tombent de nos yeux. Il est assis par le biais, par l'entremise de ses serviteurs, ses servantes, qui font du commerce, comme dans la parole ici, on nous dit que les changeurs de monnaie étaient assis dans le temple. Et qu'est-ce que la parole nous dit, frère? Ayant fait un fouet avec les cordes, des cordes, il les chassa tous du temple. Le Seigneur a fait, mes amis, a fabriqué un fouet et il a commencé à les chasser du temple. C'est terrible le comportement que notre maître a eu ici. Si Jésus a chassé les vendeurs, les marchands du temple, et si nous sommes chrétiens, chrétiens qui signifie comme Christ, ne devrions-nous pas nous aussi agir de la même façon? C'est-à-dire nous servir de la parole de Dieu comme une corde pour chasser de nos temples, de nos cœurs d'abord, et de nos bâtiments, nos maisons, les vendeurs des Bibles, les vendeurs des ouvrages. Hein, les vendeurs d'ouvrages chrétiens, les vendeurs de CD, de DVD, de coffrets d'enseignement, ne devrions-nous pas agir comme Christ a agi? Si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, pourquoi n'agissons-nous pas comme notre maître? Il a dit lui-même, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si Jésus, notre maître, notre exemple, a chassé de son temple, du temple de son père, les vendeurs, à votre avis chrétien, que devrions-nous faire? Vous avez la réponse. Être comme Christ, c'est être chrétien. Être chrétien, c'est être comme Christ.
Être comme Christ, c'est agir comme il a agi. Il a dit, il est dit, après les avoir chassés, il va disperser la monnaie des changeurs. Il n'a pas cherché à récupérer leurs billets, leur monnaie. Parce qu'à cette époque, la monnaie était déjà frappée. Ouais, on frappait déjà les monnaies avec l'effigie de César, nous dit Matthieu 22, hein, pour les gens qui étaient, pour les Juifs par exemple, et pour les gens, les sujets romains bien sûr. Et donc, Jésus n'a pas pris ses monnaies, mes amis, pour les mettre dans sa poche. Il a tout dispersé, tout renversé. Et on nous dit qu'il a renversé leur table. C'est terrible, frère, la réaction du Seigneur. Il chasse les vendeurs, il disperse leur monnaie, il renverse leur table. Et ensuite, il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché, trafic. Et on nous dit que les disciples de Yeshua vont se souvenir que Ésaïe avait écrit que le zèle de ta maison me dévore. C'est un mot fort. Le zèle de ta maison me dévore. Et alors, je vous pose la question, vous chrétiens, vous qui refusez de renverser ces tables, vous qui continuez à vendre la parole de Dieu, à vendre vos ouvrages. Hein, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, donc il faut revenir à la parole. Je vous pose la question, frères et sœurs. Yeshua, ici, nous dit la parole, frères et sœurs, n'est-ce pas, était animé du zèle de la maison de son Père qui dévorait son cœur. Alors, de quel zèle êtes-vous animé? De quel zèle es-tu animé, mon frère, ma sœur? Pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. De quel zèle? Es-tu animé du zèle par rapport aux traditions de tes pères, comme Paul l'était avant que Christ ne le sauve, ou est-ce que tu es animé par le zèle de la parole de Dieu? Quelqu'un qui aime le Seigneur ne peut être que dévoré par le zèle de sa maison. Sa maison spirituelle, sa maison qui doit être sanctifiée, qui doit être une maison sainte, purifiée, débarrassée de toutes sortes de, mes amis, de marchés, de commerce, de trafic, du marketing, du management, tout ça. Le zèle de ta maison me dévore. Le problème, c'est que le zèle de la maison de Yahweh manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le zèle. L'apôtre Paul nous demande dans les Écritures d'avoir du zèle, d'agir, de travailler avec zèle. Et regardez la question des Juifs, la question des pharisiens. Quels signes nous montres-tu pour agir ainsi, en agissant ainsi? Parce qu'ils savaient que le Messie devait avoir un signe, devait montrer un signe, le signe de sa messianité. Et ils n'avaient pas compris que un des signes de la messianité de Yeshua, c'était le zèle de sa maison. Le fait que le Messie devait purifier sa maison, comme Phiné sous Moïse, avait purifié, mes amis, avait été utilisé par Dieu pour arrêter les plaies, mes amis, qui frappaient l'assemblée de Dieu. Phiné était animé par le zèle de la maison de l'assemblée de Dieu. Voyez, frères et sœurs, et Yeshua, notre maître, était animé par le zèle de la maison de son Père. Mais nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes, nous, la maison de Dieu, frères et sœurs. Et si nous sommes de Christ, nous devons être animés par le même zèle, du même zèle, pour purifier cette maison, frères et sœurs, avec la parole pure. La purifier de tous ces commerces, tous ces commerçants, tout cet évangile. Un rapport avec l'argent matin, midi, soir. C'est horrible de voir à quel point, mes amis, l'évangile pur n'est plus tellement prêché. Cet évangile est remplacé par un évangile qui vient directement de l'enfer. Allons voir dans les Écritures. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Chapitre 3, pardon. Nous lisons à partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable,
le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Mais voilà, mes amis, l'église de Laodicée qui n'est rien d'autre que, mes amis, la caractéristique indéniable de nos églises aujourd'hui. L'ange de Laodicée, un chrétien qui avait la charge d'apporter la parole pure aux habitants de Laodicée, cet ange, ce messager, cet envoyé de Dieu, va se laisser corrompre par un autre évangile, l'évangile, n'est-ce pas, qui parle de la prospérité financière, cet évangile qui encourage les chrétiens à être des millionnaires, des milliardaires, à régner sur terre. L'ange de l'église de Laodicée dit lui-même qu'il s'était enrichi. Comment, à votre avis? Eh bien, en se servant certainement de la parole de Dieu, qu'il devait donner gratuitement, en se servant des dons que Dieu lui avait donnés gratuitement, au lieu de les distribuer, de les dispenser gratuitement, mais il va commencer à faire du commerce avec. Il va commencer à exiger certainement de l'argent avant de prier pour les gens. Il va commencer à exiger de l'argent avant d'enseigner les gens. Il va commencer à exiger de l'argent avant de partager les champs que Dieu lui donnait gratuitement. Il va commencer à vendre ses CD, à vendre ses clips, à vendre des coffrets d'enseignement, à vendre ses enseignements bibliques, ses formations bibliques. Eh bien, il s'est enrichi au dépourvu de l'Ecclésia. Il s'est enrichi en dépouillant les enfants de Dieu. Et il est devenu extrêmement riche au point où il va dire qu'il n'avait besoin de rien parce qu'il était dans l'abondance financière. Il était extrêmement riche. Et il croyait que c'est à cela que Dieu l'appelait, c'est-à-dire être riche en billets de banque. Et le Seigneur n'a pas les mêmes critères de richesse que les hommes. Et bien que cet homme était riche, le Seigneur l'appelle pauvre. Regardez, frères et sœurs, les qualificatifs que le Seigneur va utiliser pour définir cet homme aveugle, cette église, hein, nu, misérable, pauvre. Vous avez vu, frères et sœurs, les qualificatifs que le Seigneur va utiliser? C'est terrible, frères et sœurs. Cet homme, cette église qui se croyait dans la volonté de Dieu parce qu'elle était extrêmement riche en billets de banque, Dieu la voyait pauvre. Dieu l'avait vomi de sa bouche. Et le Seigneur lui demande d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu pour être riche. L'or éprouvé par le feu, selon Job 22, n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Frères, sœurs, ouvrons grandement les oreilles ce soir. Donc nous comprenons que le temple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité des églises du 21e siècle, la majorité de nos églises, vous allez me dire, il exagère, mais c'est la triste vérité, la triste réalité, la majorité de nos églises aujourd'hui, frères, sont devenues, n'est-ce pas, l'église de Laodicée. Une église, mes amis, qui est devenue riche sur le plan humain, en argent, en billets de banque, mais une église qui ne prêche plus la croix, qui ne prêche plus l'enfer, qui ne dénonce pas ouvertement le péché, une église qui est coalisée, une église qui s'est, mes amis, paganisée, qui a rejoint l'église romaine, n'est-ce pas, une église fédérée,
une église, mes amis, complètement pyramidale. Et cette église, justement, vend des coffrets d'enseignement, vend des PDF de livres, vend des Bibles, vend des ouvrages chrétiens. Cette église a ouvert aussi des librairies chrétiennes, soi-disant, où ben, il y a toutes sortes de livres que l'on peut acheter, mes amis, mais il faut être riche pour pouvoir acquérir ces livres-là, ces ouvrages. L'église de Laodicée, c'est l'église du 21e siècle. Il faut être riche, mes amis, pour fréquenter ces assemblées. Il ne faut pas être au chômage. Sinon, tu n'auras aucun enseignement. Il ne faut pas être au chômage et être pauvre en billets de banque. Sinon, tu ne peux pas avoir des CD de musique, n'est-ce pas, des coffrets d'enseignement. Et il ne faut pas être pauvre, sinon tu ne peux pas accéder à la formation biblique. Est-ce ainsi que notre maître a agi? C'est une question à laquelle chacun de vous, honnêtement, peut répondre avec la parole de Dieu à l'appui. Alors, comment Jésus, notre maître, procédait-il? Comment Yehoshua, notre exemple, notre modèle, le plus a-t-il fonctionné dans son ministère? Comment Yeshua, mes amis, quel est l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth sur, mes amis, la dispensation, sur la prédication, sur l'enseignement de l'Évangile, sur la formation saint? Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Allons dans les Écritures. Alors là, nous allons voir d'abord Jésus-Christ, son enseignement, avant sa mort et sa résurrection. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1er. Puis, appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms de 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui le livra. Tels sont les 12 que Yeshua envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Alors, suivez bien ici, frères et sœurs. Voilà les instructions de Jésus avant son incarnation, non, avant sa mort et sa résurrection, pardon. Donc, on sait tous que le mot instruction ici signifie aussi ordre, n'est-ce pas? Enseignement, commandement. Voilà les commandements de Jésus-Christ de Nazareth aux disciples avant sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce qu'il va leur donner comme instruction? Rappelez-vous bien que il est dit que tout disciple accompli dans Luc chapitre 6, verset 40, sera semblable à son maître. On reconnaît les disciples de Jésus-Christ, non parce qu'ils le déclarent au bout de lèvres, mais parce qu'ils vivent la vie de Jésus, parce qu'ils suivent l'enseignement de Jésus, parce qu'ils sont soumis aux instructions du maître, à ses ordres. Et quels sont ces ordres? Le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ça, c'était le message, un des messages clés de Jésus. L'imminence, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Ils ont proclamé le royaume de Dieu. Ils n'ont pas proclamé, ils n'ont pas prêché l'enrichissement personnel. Ils n'ont pas prêché, mes amis, autre chose que la repentance. Voyez, frère, guérissez les malades. C'était des ordres, hein? Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons.
Et par la suite, il leur dira, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les disciples de Jésus-Christ de Nazareth ont reçu de Jésus des grâces ou des faveurs imméritées. Ils les ont reçues comment? Gratuitement. On s'arrête d'abord sur le premier point là. Vous avez reçu gratuitement. Donc, les choses que nous donnons, les enseignements que nous donnons, les chants que nous chantons, que nous partageons, nous le recevons gratuitement. Aucun ne peut dire qu'il est allé devant le trône de Dieu avec de l'argent pour acheter la connaissance. Personne ne peut dire qu'il est allé devant le trône de Dieu pour aller acheter la voie que Dieu lui a donnée. D'accord? Regardez ce que Dieu lui-même dit. Donc, on arrête d'abord dans on arrête d'abord sur ce passage-là. Vous avez reçu, n'est-ce pas, gratuitement. Parce que si on n'explique pas les choses, les gens ne vont pas forcément comprendre pourquoi il faut donner gratuitement. D'abord, il faut comprendre que ceux qui reçoivent gratuitement, naturellement, donnent gratuitement. Et ceux qui vendent, cela veut dire qu'ils ne les ont pas, ils n'ont pas reçu les choses vendues gratuitement. Donc, c'est naturel qu'ils le vendent. Voyez? Mais ceux qui estiment qu'ils ont reçu leur grâce imméritée, sans payer, naturellement, doivent aussi être honnêtes pour pouvoir les retranscrire, les transmettre, les donner gratuitement. Donc, on s'arrête d'abord sur le fait qu'on a reçu des dons, des talents gratuitement. Job 41, verset 1er. Dieu pose une question capitale à Job. Dieu aime son peuple. Job 41, verset 2. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. Ce livre-là que j'ai entre mes mains, frère, j'aime la parole de Dieu. Dieu pose une question, mes frères, vous qui me suivez ce soir, et la même question est posée aux vendeurs de pigeons modernes. La même question est posée aux changeurs de monnaie assis dans le temple de Dieu, assis dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos maisons. De qui, hein, Dieu, hein, de qui Dieu est-il le débiteur pour qu'il réclame un salaire à Dieu? Et Dieu dit, il le payera. Voilà. Combattez-moi avec la parole. Parce que moi, je vous montre la parole ici. Et Dieu rajoute, tout sous le ciel m'appartient. Oh Jésus de Nazareth, la parole est terrible. Je crois que ce soir, les vendeurs de pigeons commencent à prendre mes amis, ramasser leurs billets de banque, ils commencent à quitter vos cœurs, ils commencent à prendre leurs jambes à leur cou, ils commencent à s'envoler, à partir. Au nom de Yeshua. Avant de vous montrer quelques images, quelques liens de vidéos, on va d'abord vous donner la parole. Parce qu'on dit non, ce monsieur exagère, il veut détruire l'église de Jésus-Christ. Quelle église chercherais-je à détruire, frère? Qui peut détruire l'église de Yeshua? Sous le ciel, tout m'appartient. Tout appartient à Dieu. À part l'argent monnaie qui appartient à César. Voyez, frère? Donc, la belle voix que tu as reçue ne t'appartient pas. Hein? Allons voir dans 1 Corinthiens 10, 26. Nous sommes dans la parole. Oh, j'aime Job 41, 2, là. Ça tue, mes amis, les motivations impures, là. Il faut garder ce passage à cœur, hein. Par cœur, au nom de Yeshua. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 26, voilà un autre verset que j'aime. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Paul le répète. Certainement, il avait lu ce passage de Job 41, frère.
La terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire que tel que tu es là, tu appartiens à Dieu. Alors, si tu appartiens à Dieu, mon frère et ma soeur, comment peux-tu vendre ce que Dieu t'a donné? Comment peux-tu te vendre? Comment peux-tu vendre ce qui appartient à Dieu? Il est dit dans Matthieu 22, le Seigneur a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais comment toi, comment es-tu arrivé à vendre la voix que Dieu t'a donnée, les chansons que Dieu t'a données? Comment es-tu arrivé à vendre la connaissance que Dieu t'a donnée? 1 Corinthiens 4, 7. Seigneur, enseigne-nous. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, le fait de vendre les dons, les CD, les coffrets d'enseignement, les CD de musique, les DVD de musique, les enseignements bibliques, tout ça là, c'est comme si, en fait, c'est de l'orgueil. C'est comme si ces vendeurs se disent, je dois vendre ce que j'ai parce que ce n'est pas Dieu qui me les a donnés. Je les ai obtenus par mes propres moyens. J'ai dû fournir des efforts personnels pour obtenir une telle, n'est-ce pas, un tel résultat. Voilà pourquoi je dois vendre, revendre tout ce que j'ai. C'est du commerce. C'est l'église de Laodicée. Que l'on monte, que l'on descende, c'est, mes amis, l'église de Laodicée, c'est la mentalité laodicéenne. Le commerce. Que Dieu nous aide. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? La voix que tu as? La connaissance que tu as? L'onction que tu as? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il y a quelqu'un qui donne? On continue dans Romains chapitre 11. Vous montrer à quel point, frère, tout vient de Dieu. Romains 11, 36. C'est de lui la source. C'est de lui la source. Par lui, le moyen. Et pour lui, la raison que sont toutes choses. C'est de lui. Tout vient de lui, de Dieu. Il est la source. C'est par lui, c'est le moyen. Ça passe par lui toujours. Et c'est pour lui. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné ce don qui vient de lui, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est tout. Frère, on comprend pourquoi il faut revenir, vous comprenez pourquoi il faut revenir la parole à la saine doctrine, c'est-à-dire la gratuité de la formation biblique, la gratuité de la de chansons inspirées par Dieu, la gratuité des concerts. Mes amis, s'il y a des concerts, des rencontres pour adorer Dieu par les chants, la gratuité, mes amis, alléluia, gloire à Dieu, de l'école du ministère, la gratuité, tout doit être gratuit. Tout, et les Bibles, tout doit être gratuit. Matthieu chapitre 10, on revient encore là-bas. On revient encore sur Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement. Donc on a compris qu'on a reçu de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui pourvoit. Et comme vous avez reçu gratuitement, le maître a dit naturellement, donnez gratuitement. Et regardez le verset 9. Il les avertit, hein? Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Mais les bishops d'aujourd'hui prennent de la monnaie. Beaucoup de monnaie, comme les changeurs de monnaie, dans leur sac, dans leur poche. Ils font l'inverse de ce que Dieu nous a demandé ici. Alléluia. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Cela veut dire que le salaire de l'ouvrier ici, ce n'était pas l'or, l'argent là-bas, mais c'était la nourriture, en fait, le gîte et le couvert. Ils allaient de maison à maison et c'est là, quand on le recevait, on leur donnait à manger. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà l'enseignement de Yeshua avant sa mort et sa résurrection. Et quel est l'enseignement de Yeshua après sa résurrection?
Eh bien, nous sommes dans Apocalypse chapitre 21, le verset 6. Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait. Ou encore, c'est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie ou de l'eau vive, comment ? Gratuitement. Voilà l'enseignement de Yeshua après sa mort et sa résurrection. Il n'a pas changé de message. Il est constant. Je le salue à cause de cela. Au nom de Yeshua, que ton nom soit glorifié, mon Dieu. À celui qui a soif. Les gens ont soif aujourd'hui de la parole pure. Ils vont voir des ministères pour la prière, pour l'enseignement, et ces derniers leur demandent de l'argent. Ils font le contraire de ce que Jésus a dit. Peu importe leur nom, qu'ils soient grand ministère ou pas, que leur nom soit connu aux yeux des hommes ou pas, là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est ce que la parole nous dit. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau vive. Comment ? En payant ? Non. Gratuitement. Et on continue. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie. Comment ? Gratuitement. Mes amis, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, nous dit, ici, le Seigneur dit à deux reprises que celui qui veut de l'eau, qu'il la prenne comment ? Gratuitement. Il a confirmé les instructions qu'il avait données au préalable à ses apôtres avant sa mort et sa résurrection. Il est resté constant dans sa vision, dans son message. Frères, sœurs, le maître est notre exemple le plus parfait. Si vous payez pour avoir l'enseignement biblique, vous êtes antichrist. Si un pasteur vous demande de l'argent pour vous donner une formation biblique, il fonctionne avec l'esprit de l'antéchrist. Parce que l'esprit d'antéchrist n'est rien d'autre que cette vision qui contredit le message de Jésus. Tout ce qui est contre Christ est antichrist. Voilà. Vous comprenez pourquoi, mes amis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'antéchrist dans nos églises qui prêchent un message que Christ n'a pas prêché, qui fonctionnent comme Christ n'a pas fonctionné. Donc, on ne peut pas les appeler chrétiens comme Christ. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Maintenant, on a vu comment Christ a fonctionné, quel était son message, et nous allons voir si les apôtres ont accepté cela. Allons voir notre aîné dans la foi, Paul. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. L'évangile de Dieu, l'évangile du salut, l'évangile du royaume, l'évangile de Christ. Vous voyez, frère, ce n'est pas l'évangile de l'argent, ce n'est pas l'évangile d'un homme, c'est l'évangile de Dieu, le témoignage de Christ, le témoignage de Dieu. À chaque fois, c'est Christ qui était au centre et pas l'argent. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais, en effet, nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. C'est terrible, frère. C'est terrible. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour,
à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Pour n'être à la charge d'aucun de vous. Donc, si vous payez un pasteur chaque mois parce qu'il vous demande de le payer, il est à votre charge. Ça devient antichrist. Voyez, que Dieu touche un frère, une sœur pour soutenir un frère avec l'argent, c'est pas un problème. C'est biblique. Dieu peut vous mettre à cœur de soutenir un frère, un ministère, tout ça, on est d'accord. Mais de là à ce que ce ministère vous dise, vous devez me donner un salaire chaque mois, il devient une charge pour vous, un joug. Voyez, de là à ce qu'un pasteur vous dise, vous qui êtes maçon, vous qui êtes peintre, venez, vous allez travailler ensemble. Et les frères et sœurs de l'église vont, n'est-ce pas, qui veulent faire des travaux chez eux, vont vous solliciter et vous allez devoir leur payer. Et ensuite, ils vont verser cet argent à l'assemblée. C'est du commerce. L'église de Laodicée. Frère, Paul était catégorique ici. Ses motivations n'étaient pas, mes amis, financières. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Oh Seigneur, garde-nous. Au nom de Yeshua. Et Paul dit ceci, frères et sœurs, et dans 1 Corinthiens, on va prendre 1 Corinthiens après. On va d'abord prendre Acte, chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent. Contrairement aux chrétiens de Laodicée, aux vendeurs de pigeons, aux marchands du temple, qui désirent votre argent. Je ne désirais ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Ces mains, il leur a montré ses mains. Il bâtissait des tentes. Vous voyez, frères et sœurs, vous pouvez être dans l'œuvre du Seigneur à plein temps. Cela ne vous empêche pas d'avoir un petit travail à quelque part. Si vous avez des projets, tout ça, pour ne pas dépendre des frères, c'est biblique. Ses mains ont pourvu à mes besoins, Paul disait. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. Se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, dans les églises de Laodicée, des ministères, des pasteurs disent, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. C'est pour cela leur message, c'est donne, 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 donne. Donnez, 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 vous serez bénis, vous serez bénis, donnez, vous serez bénis, donnez, vous allez être la tête, donnez, vous allez être guéri, donnez, vous allez être délivré, donnez, faites des offrandes qui vous coûtent cher, offrez vos Isaac et Dieu vous bénira. C'est du vol, de l'arnaque. Voyez, venez, école du ministère, formation sur un mois, sur deux semaines, il y aura des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Eh bien, donnez, 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 donnez. Voilà leur credo, frères et sœurs. Paul a dit clairement qu'il n'a désiré l'argent de personne. Et dans 1 Corinthiens 9, qu'est-ce que Paul nous apprend? Paul dit ceci à partir du verset 7. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Donc Dieu nous emploie à son service et c'est lui qui nous finance. Ce ne sont pas les hommes. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Paul se compare en fait, et il compare les autres ministères, n'est-ce pas, les ouvriers aux bœufs. Et les bœufs avaient été, mes amis, attelés deux par deux, et avait un joug au milieu. Et le Seigneur, dans Matthieu 11, nous demande de porter son joug. Et ce ne sont pas les bœufs qui choisissaient les champs où ils devaient travailler. C'était leur maître. Et les ministères de l'église de Laodicée cherchent eux-mêmes leur champ missionnaire, là où il y a plus d'argent. Et
Paul nous dit, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc, bien évidemment, il y a, si Dieu utilise un frère pour bénir les autres, eh ben, avec la parole, Dieu peut toucher les cœurs de n'importe qui pour soutenir financièrement, matériellement. C'est aussi biblique, ce n'est pas un problème. Mais ce ne sont pas les prédicateurs qui doivent, n'est-ce pas, courir après les frères et sœurs pour exiger un salaire. Comprenez toujours l'équilibre. Il faut l'équilibre. Alléluia. Et voilà, Paul nous dit, ne savez-vous pas, n'est-ce pas? Et Paul dit, si d'autres jouissent de ce droit, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Paul, mes amis, il voulait tellement que les chrétiens soient touchés, que les cœurs soient tournés, se tournent vers le Seigneur, qu'il n'a pas voulu, frères et sœurs, imposer quoi que ce soit aux frères et sœurs. Il n'a pas voulu, mes amis, être un obstacle à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Son comportement, Paul n'a pas voulu que son comportement soit rédhibitoire à l'avancement, au progrès de l'Évangile. Or, mes amis, la cupidité des ministères d'aujourd'hui devient, mes amis, rédhibitoire au progrès de l'œuvre du Seigneur, à la conversion des gens, tellement qu'ils sont devenus cupides. Et ne savez-vous pas, Paul disait, que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Oui, les sacrificateurs, quand ils travaillent dans le temple, n'est-ce pas, selon Lévitique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selon Lévitique, la loi de Moïse, ils prenaient aussi part, hein, n'est-ce pas, à certains sacrifices, notamment le sacrifice d'action de grâce. Paul dit, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vue de l'évangile. Donc c'est Dieu qui nous nourrit, c'est Dieu qui prend soin de nous quand nous annonçons l'évangile. Ce ne sont pas nous, c'est pas nous qui devrions aller chercher l'argent ici et là. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ce droit. Et ce n'est pas enfin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voyez, frères et sœurs, et regardez, si je le fais de bon cœur, Paul dit ici, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Une charge qui lui est confiée. Et au verset 18, ça c'est terrible, ce que Paul dit. Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Et Paul a suivi la même, mes amis, vision que Christ. Paul a marché sur les pas, sur les traces de son maître. Il a annoncé, il a donné gratuitement l'évangile, gratuitement. Et certains chrétiens, notamment les chrétiens de la Macédoine, l'ont beaucoup soutenu matériellement, financièrement. Il le dit lui-même. Mais ce n'est pas Paul qui les appelait, n'est-ce pas, pour demander de l'argent. Non. Dieu touchait les cœurs de ses frères et sœurs pour le soutenir. Et Paul n'utilisait pas cet argent pour s'enrichir personnellement, mais c'était pour enrichir les autres églises, comme il le dit lui-même, pour payer ses voyages ici et là. Frères et sœurs, vous voyez, Paul obéissait à la parole du Seigneur et Dieu s'occupait de lui. Il a dit lui-même qu'il savait vivre dans l'abondance et dans la disette. Paul, le grand apôtre, a connu des moments de disette, contrairement au message de la prospérité d'aujourd'hui, où l'on veut que tous les prédicateurs soient riches, milliardaires. Paul a connu la disette. Et il savait qu'il avait dit clairement, il a dit clairement qu'il savait vivre dans l'abondance et dans la disette. Et quand il était dans l'abondance, ce n'était pas pour lui seul, pour aider les pauvres. Il allait collecter de l'argent ici et là, selon Romains 1 Corinthiens 16, pour, n'est-ce pas, le distribuer aux pauvres. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. L'évangile, on a reçu gratuitement et il faut le donner gratuitement. Les vendeurs de temples, les marchands du temple sont de plus en plus, mes amis, exigeants aujourd'hui. Hein, leurs tarifs, mes amis, sont de plus en plus élevés. Et je vous assure, il faut vraiment être riche pour être enseigné dans nos églises aujourd'hui. Il faut être riche pour avoir une bonne formation biblique, n'est-ce pas? Voilà. Mais comment voulez-vous répondre à l'ordre du Seigneur de Matthieu 28 qui dit que nous devons faire de toutes les nations des disciples? Si on commence à vendre, mes amis, la parole aujourd'hui, si on la vend comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2,
Verset premier, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, donc ils sont déréglés. Donc ces hommes qui avaient bien commencé, mes amis, ces prédicateurs, mes amis, ces apôtres, ces prophètes, ces docteurs, ces pasteurs, ces anciens, ces diacres, ces évangélistes avaient bien commencé, avaient bien reçu Jésus-Christ, mais il s'est passé quelque chose, mes amis, dans leur marche chrétienne. Leur cœur, mes amis, se sont pervertis. Il y a eu un dérèglement. Il y a eu la séduction, n'est-ce pas? Ils ont cédé à la séduction, à la tentation de l'enrichissement personnel. Et on nous dit que plusieurs ont commencé à les suivre dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité, n'est-ce pas, sera calomniée à cause d'eux. Ben oui, les païens se moquent de nous parce qu'ils se rendent compte, mes amis, que eh ben, la vente, mes amis, prend de l'ampleur, la vente des produits, mes amis, en rapport avec la Bible est de plus en plus encouragée. Des mouchoirs chrétiens, des vêtements avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth vendus ici et là, de l'huile, mes amis, qui vient d'Israël, et des délivrances payantes, tout ça, c'est grave. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Eux que menacent, il y a de menaces sur eux depuis longtemps. Et c'est terrible, frères et sœurs. Et la parole nous dit au verset 15, mes amis, et au verset et 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. L'ange de Laodicée a le cœur exercé à la cupidité. Voilà pourquoi ils vendent tous ces produits. Ce sont des enfants de malédiction. C'est terrible, frères et sœurs. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Donc ce sont des Balaamites, des gens qui, mes amis, sont touchés par l'esprit de Balaam. Balaam, dont le nom signifie celui qui dévore. Et ce prophète qui aimait les honneurs, mes amis, qui va encourager les enfants, qui va donner un conseil diabolique à Balak, n'est-ce pas? Et roi, mes amis, de Moabite, il va conseiller Balak à envoyer des filles Moabites en Israël, hein, chez les Juifs, chez les Hébreux, dans le camp des Hébreux pour les séduire sur le plan sexuel et les amener à manger de viande sacrifiée aux idoles et à se livrer à l'impudicité, à la fornication, à la prostitution. Et il y a eu une grande plaie en Israël à cause de cette séduction. Et des milliers de victimes, des morts. Et ils sont, mes amis, les descendants de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par une ânesse, hein, donc pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la folie, n'est-ce pas, du prophète. Donc c'est la folie. Il y a comme une folie qui s'est emparée de ce prédicateur pour commencer à vendre, mes amis, alors qu'avant, ils ne vendaient rien. Ils commencent à vendre. D'autres même sont... Vous savez, ce système-là de vente des produits dérivés de la Bible, tout ça. Mes amis, nous sommes nés dans ce système. On y a grandi. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, comment voulez-vous, mes amis, que certaines personnes, mes amis, sortent de ce système facilement si Dieu ne les brise pas d'abord? Le système est corrompu. On ne peut pas le réformer, il faut en sortir. Voyez, frère. Donc, c'est terrible. Bien qu'étant sincères, certains d'entre ces prédicateurs sont sincères, mais malheureusement, la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Voyez, frère, donc il faut renoncer à ce système, il faut le dénoncer avec force. Notre problème, ce ne sont pas, c'est pas, on n'a pas un problème avec les hommes. Notre problème, c'est le système qui est corrompu, qu'il faut dénoncer avec beaucoup de force. Vous savez, dans Jean chapitre 3, verset 20, il est dit que celui qui fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Hein, le vrai mot, c'est condamner ou réfuter. Voyez, donc nous devons condamner ces œuvres-là, mes amis. Hein, c'est pratique. Hein, donc on doit condamner ces œuvres des ténèbres. Comme Éphésiens 5, 11 le dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voyez, donc la lumière nous permet de voir les œuvres des ténèbres et de les condamner avec force. Frères et sœurs, alléluia, que Dieu nous aide. La parole nous dit, mes amis, et, ils, sont,
Ils sont esclaves, mes amis, esclaves de la corruption, esclaves de la cupidité. Et c'est terrible, et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Satan est assis dans nos églises, mes amis, comme dans l'église de Pergame. Le Seigneur disait à cette église, je sais où tu habites, hein, c'est là où il y a le trône de Satan. Il est assis au travail de toutes ses ventes, au travail de toutes ses boutiques, mes amis, sur Internet, de boutiques chrétiennes. Comment voulez-vous que les gens accèdent au salut, mes amis, avec toutes ces ventes? Ésaïe chapitre 55. Mes amis, lisons cette parole terrible. Ensuite, nous allons vous montrer quelques images. Vous pouvez nous appeler pour poser des questions ou témoigner si vous le souhaitez. Ésaïe 55, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Comme le Seigneur l'a dit dans Apocalypse là-bas, dans Apocalypse, celui qui a soif, qu'il vienne. Que celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. La parole est claire, frères et sœurs. Sans rien payer, sans argent. Dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, frère, on peut acheter les choses par la foi. C'est par la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, nous dit la parole. Donc, le Seigneur nous invite ici, mes amis, à aller vers lui, à venir devant son trône, sans sou, et de boire, de manger gratuitement. Voilà ce que la parole nous dit, frères et sœurs. À moins vraiment que vous soyez atteints par l'esprit d'Antéchrist pour, mes amis, combattre ce message qui pourtant est clair. Vous allez me dire, mais oui, mais si on loue des salles, si on organise des conférences, comment allons-nous faire? Mes frères et sœurs, déjà, qui vous demande de louer ces salles? Si Dieu vous demande de louer une salle pour un programme, hein, pour un temps d'adoration, pour un séminaire, ben, Dieu pourvoira. Il donne la semence au semeur, la nourriture pour, et de quoi pour sa nourriture. Voyez, frère, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Et il honore, mes amis, sa parole. Il accompagne ses serviteurs, sa parole par les signes. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, croyez-moi, il va disposer les cœurs pour vous soutenir. Mais ce n'est pas à vous de commencer à utiliser des méthodes antichrist pour justifier votre programme, pour organiser votre programme. Jésus, mes amis, a fait des enseignements. Paul a enseigné les gens à l'école de Tyrannus pendant 2 ans d'affilée, tous les jours. Il a demandé aucun sou, aucune participation financière, frères et sœurs. Et les gens donnaient librement. C'est ça l'évangile. Quand les frères et sœurs dans Actes, mes amis, ont commencé à vendre leurs propriétés pour amener l'argent puis les apôtres, quel est cet apôtre qui a demandé aux gens d'amener l'argent? Qui est cet apôtre qui a exigé de l'argent aux gens? Ils ont prêché la croix, ils ont prêché le ciel, ils ont prêché Jésus, ils ont prêché, dénoncé le péché, et les cœurs étaient vivement touchés, et les gens, naturellement convaincus par l'Esprit, apportaient les dons, leurs contributions pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Oui, il faut faire des offrandes pour que l'œuvre du Seigneur avance, mais des offrandes libres, car il est dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais quand vous fixez des prix pour la vente de vos produits, les gens ne vont plus donner avec joie. Les gens sont contraints d'acheter des enseignements. Et c'est dommage de voir des ministères que Dieu a réellement appelés tomber dans ce piège. Sortez de là, frères et sœurs. Sortez de là, prédicateurs. Sortez de là, apôtres, prophètes, docteurs, enfants de Dieu. Appliquant le message du Maître. Appliquant la loi de la parole de Dieu, la loi de l'Esprit de Christ. Appliquons l'évangile. Sortez de là. Soyez assez courageux et humbles. Soyons humbles et sortons de là. Dieu ne nous condamne pas. Il condamne ces pratiques. Parce qu'à cause de la vente de ces choses, nous empêchons, mes amis, l'évangélisation. Et les pauvres, nous présentons aux gens une église pour les riches. Oh, que Dieu nous aide. Le problème, c'est le manque de foi. La foi a disparu. Voilà pourquoi le raisonnement est rentré. Et on commence à raisonner. Mais si on donne gratuitement, comment allons-nous faire pour vivre, pour faire ci, pour faire ça, telle chose? Mais si c'est Dieu qui vous demande de faire ce travail, mais il va disposer les cœurs. Il va toucher les cœurs. Dieu est assez grand pour s'occuper de son peuple, de son œuvre, frères et sœurs. Que Dieu nous garde. Alors nous allons balancer quelques images, si c'est possible, l'équipe technique. Et vous pouvez également nous appeler si vous le souhaitez. Au nom de Yeshua. Et que cette vidéo soit massivement diffusée. Afin de libérer les enfants de Dieu qui ont cru, à qui on a fait croire que s'ils ne payaient pas, Dieu allait les maudire. Voilà, donc avec des enseignements sur la dîme où on met encore, n'est-ce pas, des enseignements qui contraignent les chrétiens à verser un salaire ou 10% de leur salaire à leur pasteur, alors qu'ils sont tous ces chrétiens sacrificateurs.
hein, n'est-ce pas, et le temple de Dieu en même temps. Voilà, que Dieu nous garde. Donc, l'équipe technique, c'est possible. On peut y aller, on a dit Yeshua. Dieu est grand. Voilà, donc nous avons ici une conférence, hein, donc plusieurs conférences, famille d'ici, famille d'ailleurs. Voilà, et qu'est-ce qu'on y voit? Donc, conférence 40 euros, conférencière, hein, conférence 40 euros, conférence repas, 90 euros. Vous vous rendez compte? Possibilité hébergement sur place, chambre simple, 130 euros, chambre couple, 115 euros, chambre collective, 110 euros. Hébergement et repas sur place dans la limite des places disponibles. Chaque membre disponible, chaque chambre dispose de toilettes et douches privatives. À compte, 25 euros à l'inscription. Voilà, dites-moi, frères et sœurs, honnêtement, où est l'esprit de Christ dans tout ça? Très honnêtement, soyons honnêtes avec la crise qu'il y a actuellement, frère. C'est grave. Et malheureusement, les témoins de Jéhovah que nous dénonçons, qui sont dans le faux, les Mormons pareils, mes amis, donnent leurs enseignements, leurs Bibles, leurs ouvrages gratuitement. Et les soi-disant évangéliques, pentecôtistes, églises indépendantes, qui ont soi-disant le Saint-Esprit, font pire que ces gens. Ils font, mes amis, le contraire de ce que le Maître nous a enseigné. Dites-moi maintenant, qui a l'esprit d'Antéchrist? Qui est contre l'enseignement de Christ? Qui est contre son enseignement? Que ferait Jésus à notre place aujourd'hui? Il a nourri les gens gratuitement à deux reprises, plus de 5 000 personnes une fois, plus de 4 000 personnes une seconde fois, gratuitement. Que Dieu nous garde. On va aller encore voir autre chose, frères et sœurs. Voilà. Nous avons un autre séminaire ici. J'ai besoin de changer. N'est-ce pas? Donc, c'est grave, hein? Tarifs et transport, info et transport. Le prix du séminaire comprend l'hébergement en pension complète, l'enseignement et le matériel pédagogique, possibilité de paiement hein, échelonné, tarifs jusqu'au 25 janvier 2014. 195 euros par personne, 375 euros par couple. Tarif hein, à partir du 26 janvier 2014, 210 euros par personne, 405 euros par couple. Frères, sœurs, s'il vous plaît, où est l'Esprit de Christ? Paul s'est enfermé pendant 2 ans dans Actes 19, dans l'école de Tyrannus. Et il a donné l'enseignement gratuitement. Alors, quel est l'esprit qui anime ces prédicateurs, ces apôtres, ces prophètes? Quel est l'esprit qui anime ces pasteurs? Si vous êtes sincères, vous reconnaîtrez que ce n'est pas l'esprit de Christ. Que c'est un autre esprit. À moins vraiment que vous soyez aveuglés et voués à l'enfer, destinés à la damnation, parce que ce n'est pas possible autrement. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu en vous et accepter de tels, mes amis, un tel commerce dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Dans le milieu évangélique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va encore voir autre chose. Voilà, nous avons ici une formation online, formation online, formation online. La formation à la relation d'aide, déjà la relation d'aide, c'est un enseignement complètement charnel. C'est de la psychologie chrétienne, c'est de la, hein, n'est-ce pas, sorcellerie, ça c'est amener les gens à dépendre d'un thérapeute alors que les gens doivent déposer leur, n'est-ce pas, aller à la croix pour crucifier leur chair. Les inscriptions se font par module, personne. Hein, et 150 euros par module. Couple, 275 euros par module. Voilà, donc dites-moi maintenant dans tout ça, le frère, où est Christ? Où est Christ? Il est où dans tout ça, le maître? Voilà. Autre chose, que Dieu nous garde, frères et sœurs, ça fait mal au cœur. Le combat contre la, mes amis, les hérésies est engagé depuis que les vrais enfants de Dieu se lèvent, mes amis, pour défendre la sainte doctrine. Et nous avons ici des coffrets, malheureusement, d'un homme que le Seigneur a réellement appelé, je le crois, hein, Reinhard Bonnke, et qui, mes amis, malheureusement, a commencé à vendre aussi.
Hein, donc, je pense que depuis quelques temps, ils vendent aussi. Et des coffrets comme ça, frères et sœurs. On ne voit pas le prix. Est-ce qu'on peut agrandir un peu pour pouvoir voir le prix là? Voilà. 50 euros, 50 dollars, 150 dollars. Hein, le coffret. Donc, l'école de feu. Hein, School of Fire. School of Fire. 150 euros le coffret. Dites-moi, frères et sœurs, honnêtement. Hein? Donc, honnêtement, honnêtement. On va où? Même ceux qui sont grands, soi-disant, dans le monde, parmi les évangéliques, mes amis, vendent de plus en plus leurs produits. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer Paul faire cela? Allons voir ce que Paul a fait. Colossiens. Comment Paul a procédé aussi par rapport à ses enseignements. Un autre passage qui m'est venu à l'esprit. Colossiens chapitre 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée. L'apôtre Paul envoyait ses lettres et la plupart de ses lettres étaient des lettres circulaires. Elles allaient dans plusieurs assemblées et il fallait les lire à haute voix. Tout le monde devait recevoir la parole de Dieu. Et Paul a donné ses enseignements gratuitement. Frère, comment sommes-nous arrivés aujourd'hui à vendre les enseignements que Dieu nous donne gratuitement? C'est grave. C'est grave. On continue? Deux autres encore. Images, et puis après, on va passer à autre chose. Voilà, la boutique chrétienne. Voilà. Donc là, bien sûr, vous avez des vêtements. Et voilà, vêtements avec le nom de Dieu, le nom de Dieu. Voilà, donc là, vous avez un vêtement qui porte le nom de Jésus. Voilà. Donc, je crois que c'est 39 euros. 39,90. Donc, 39,90. Pratiquement 40 euros. Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Voilà. Donc, on va prendre encore autre chose. Dieu nous garde. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Seigneur, ta parole est la lumière, ta parole est la vérité. Ta parole est celle qui nous a franchis. Au nom de Yeshua. Est-ce qu'on a trouvé autre chose, les amis? Voilà. Alors, c'est un couple de Canadiens et ils sont vraiment très dangereux. Donner une semence prophétique, donner une semence prophétique de 777 dollars pour obtenir le triple repos. Voilà. Et comme vous savez, hein, la plupart de ces personnes organisent toujours des pèlerinages en Israël. Donc, c'est devenu carrément la Mecque, hein, donc, des chrétiens évangéliques. Alors que le Seigneur a dit clairement dans Jean 4, ce n'est ni sur la montagne de la Samarie où il y avait le temple, n'est-ce pas? Un temple, il y avait un temple dessus, ni à Jérusalem où il y avait le temple de Jérusalem où il faut adorer le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc voilà, donc ils vont prier sur le mur de Lamentation pour chercher je ne sais pas quoi, se faire rebaptiser dans le Jourdain. Je ne sais pas si c'est pour récupérer l'onction de Jean-Baptiste. Voilà, que Dieu nous garde, frères et sœurs, c'est vraiment le monde à l'envers, carrément. Et regardez ce que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Et c'est terrible ce qu'il est en train de dire, frères et sœurs, aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Donc vous pouvez méditer cela à la maison. Et les pharisiens et les scribes avaient. Mes amis, regardez le verset 52, Luc 11, 52.
Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le souhaitent, ceux qui le voulaient. Hein? Donc, effectivement, le fait de vendre comme ça à chaque fois des coffrets, des choses que Dieu nous a données gratuitement, eh bien, les pauvres, mes amis, n'arrivent pas à accéder à la parole. Vous voyez? N'arrivent pas à accéder aux illuminations que Dieu peut donner à ces hommes, aux champs que Dieu peut leur donner. Donc, du coup, ben, on empêche les gens d'entrer dans le royaume. On a enlevé la clé de la science. Et c'est terrible. Que Dieu nous garde. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, mes amis, de toutes ces choses. Hein, de ces... et puis là, on va menacer les gens. Comment dire, condamner les chrétiens qui sont pauvres, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de billets de banque, qui ne sont pas riches en euros, en dollars, alors que l'église de Smyrne était pauvre en dollars, en euros, hein, en billets de banque. Pourtant, le Seigneur disait, cette église-là, elle était, n'est-ce pas, de lui, une église agréable, agréée par lui, n'est-ce pas? Donc, la pauvreté financière, matérielle, n'est en aucun cas le signe ou un signe de la malédiction. Au contraire, c'est plutôt la pauvreté spirituelle. Le fait de ne pas avoir la paix, la joie, la vie éternelle, Dieu lui-même par-dessus tout. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, frères et sœurs, et au nom de Yeshua. Voilà, et sachez que les réunions de réveil ne sont pas des réunions d'une église. On ne cesse de le répéter. Donc, on n'est pas là pour garder les gens, hein, dans les bâtiments. Nous sommes là pour crier. Et quand on aura fini, le Seigneur nous dira de passer à autre chose et on le fera. Au nom de Yeshua. Donc, nous avons décidé, donc personnellement, je décide de ne pas collaborer avec les impies, les voleurs, les marchands et certaines personnes. Donc, on ne peut pas m'imposer la collaboration des gens qui ne sont pas avec Dieu. Et je refuse de le faire parce que c'est ma liberté en tant que chrétien. C'est votre liberté aussi en tant que chrétien de choisir ceux avec qui vous voulez collaborer parce que Dieu vous le demande. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Yeshua, nous ne voulons pas faire marche arrière, nous voulons aller jusqu'au bout. Et que Dieu bénisse tous les enfants du Père, les enfants du royaume. Amen. Au revoir.